Maintenant, on va retrouver, il est là, l'homme du sport ici, donc du CDOS 40, monsieur Alexandre Beaumont, qui est secrétaire général. Alors Alexandre, vous êtes un habitué du Tour des Landes, on s'est vu régulièrement. Et aujourd'hui, donc, je suppose que vous allez suivre également donc, dans la voiture suivante. C'est un grand plaisir de revenir sur le Tour des Landes donc, tous les ans. Et d'honorer effectivement cette invitation de la part du président Bastien, qui avec toute son équipe fait un travail remarquable, et notamment cette année avec l'évolution vers l'élite nationale. On voit ces jeunes et moins jeunes qui se sont donnés et qui vont se donner sur l'excellent parcours qu'on va vivre dans le week-end. Dites-moi, j'ai cru entendre, ou comprendre, ou mal comprendre, je ne sais pas, que les Landes étaient un département particulièrement sportif. Oui, les Landes, bien entendu, quand on fait le ratio licenciés-population, c'est le département le plus sportif de France. Et c'est une phrase chère à Henri Béda, vice-président du conseil départemental, dont j'ai fait référence la semaine dernière lors de la présentation à l'hôtel du département. Donc le CDOS s'inscrit également avec le département. Le département soutient beaucoup d'actions sportives. D'ailleurs, je pense que vous n'allez pas me contredire, bien entendu, le département est sportif, le village olympique itinérant landais accessible à tous, c'était une évidence de venir sur la ville terre de jeu Air sur la dos et d'être un partenaire du Tour des Landes pour dynamiser, promouvoir l'activité sportive, physique dans le temps et notamment l'année précédant les JO et JOP donc de Paris 2024. Mais on pense également à la suite et j'ai envie de dire c'est un moteur qu'on souhaite continuer de développer dans le temps et travailler pour la santé publique. C'est vraiment important de parler de santé publique. Vous avez tout à fait raison, vous parlez de moteur, donc c'est juste le premier étage de la fusée. Je me doute bien que dans les Landes, il y aura donc d'autres donc, coureurs sont en train de se préparer. Alors vous voyez, mesdames, messieurs. Donc moi j'ai coupé l'ordinateur. Ils sont en train de se relire, on peut peut-être s'avancer, venez voir. On est chez vous, hein, donc. J'ai coupé l'ordinateur, je rejoins la moto qui est plus haut. Mon cher Bastien, je ne sais pas comment il a prévu si le départ. Tu m'entends, je vais essayer d'appeler. Là on n'est pas loin du départ fictif, il faut que je mette mon casque. Voilà, départ, donc je retrouve ma moto. Allez, départ ici de la rue des Arènes. Le parking des Arènes. Quand on est à la zone de sport, quand on est donc conscient. Ah, et les équipes d'assistance se mettent en place. On va rejoindre le parc moto. En plus, ça devrait capter un peu mieux là-haut. Voilà, là-haut, devant la villa. On va rejoindre moi, salut. On va rejoindre toutes les motos. Il est où Lolo? Il est là. Alors. Je la tiens, c'est vrai. Petite équipe. Alors, il y a petite litière. Tu verras, c'est plus pratique. Généralement, c'est ce qu'on prend les Comme ça. Ouais. Et enfoncé, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser monter en premier. Tu montes à ma place et après, tu recules. Là, il sera plus facile. Voilà. Là, je vais essayer toujours mes calciers et tu te lises derrière. Voilà l'homme que j'admire. Et là, tu as les tiens. Hop, attends, ça plie. Voilà l'homme que j'admire sur la moto. Il faut le tenir là. Il faut filmer. Merci. Les points. On est bon au niveau installation. T'as quelque chose derrière? Mon tout casse, ouais. Ah, faut que tu t'appuies, ouais. Non, parce que j'ai derrière. Ah, oui. Ok. Bah, demain, je retenterai une configuration avec l'antenne en haut. Lui, il reste avec le. Ouais, j'oublie toujours un truc. Là, j'ai oublié le bitonio de fixage. Hier, c'était une rallonge. Ouais. Les points délicats, bah, c'est quand on ne roule pas en fait. Hein. Tant qu'on roule, dès qu'on est au-delà de 20 km/h, la moto a un très bon équilibre.
Non, on va laisser partir le gros de la troupe. Après, tu vas peut-être être surpris parce que peut-être qu'il y aura des petits dans le cercle. Essayez d'éviter les coups, mais bon, des fois, je suis secoué aussi. C'est impressionnant les motos parce que t'as 200 kilos, t'as un mec 100 kilos de plus et t'arrives à tout tenir. Ah non, avec 300 à vous. Oui, bah Nicolas et lui, il y a des petites personnes. Là, on est à 500. Elle faisait 200 kilos sa moto. Allez, on va aller, on va avancer pour le départ fictif. Je sais pas où il est le départ réel exactement, mais. En haut de la bosse. En haut de la bosse. Eh ben, ça captera mieux en haut de la bosse. Parce que moi, tout ce qui est vallée et forêt. Ouais, c'est haché, bah, tant pis. De toute façon, ça, la qualité de la 4G va pas arrêter de bouger. Hein. C'est l'aventure, hein. C'est ma balade à moto une fois par an. Un week-end dans l'année. Vidéo derrière. Non, ça marche pas derrière. Ça est, départ fictif imminent. Les coureurs sont en bas dans le parc, là où ça ressemble mieux. Eh bien, c'est l'aventure, hein. On va s'adapter au fur et à mesure. La caméra, ça enregistre, au cas où, de toute façon, il n'y aura pas de soucis. Il n'y a que la 4G qui peut lâcher, le reste c'est bon. Allez, départ imminent. Ouais, si je veux te parler, je te fais clap-clap. Ouais, tu me préviens avant. Ça marche. Que c'est pour moi que tu parles, ouais. Sinon, moi, j'écoute pas ce que tu dis, moi, sinon. T'as bien raison. Non, mais je vais redire des conneries. Non, mais j'ai déjà deux fréquences radio à suivre. Ouais, t'as mis le haut-parleur. Ouais, on va attendre que ça parte. Parce que j'entends des films. Ouais, ça fait la rouler. Bonjour les motards, Tour des Landes, Axoa. Axoa, c'est l'autre club. J'ai des crampiers. Tu me dis, hein. Non, non, mais c'est bon. On va s'adapter en roulant. Après. Bon, on va faire comme si ça captait en direct en 4G, en tout cas. On les voit pas là, les coureurs, ils sont encore en bas. Ouais, avancez pour mettre en place.
derrière. Qui essaye de se détacher là dans la première bosse. Alors,
On est entre le maïs et le tournesol. Ah, elle est bon. Ah, arrête la bonne. Le 132, le 25, deux coureurs qui se sont un peu échappés, le 25 et le 132. Deux tout seuls devant, ils vont pas aller bien loin. Il faut bien tenter. Hein. Deux devant, ça peut en faire quelques-uns qui se détachent et créer un groupe. Hein. Il faut commencer par quelques-uns. Hein. Donc là, on est donc parti pour 148 km. Passer par Eugénie-les-Bains, par Montsouet, par Saint-Semé, par Lugron, par Pontos. Et après on va faire un circuit autour de Tartas. On passera une première fois la ligne d'arrivée à Tartas. On retournera à Carcin-Ponson pour faire un autre tour de circuit. Arrivée prévue 17h30 environ. On est sur la route de Génie. Là, ça se raplatit un peu. Ah bah, c'est tout ça, là. Les Guardians. C'est une passion, les Guardians. Voilà, la moto week-end. Soa aussi, le motard avec Soa, les Guardians. Il y a un peu dans le rayon à gauche, il y en a deux. Ah, il y a deux, juste derrière. Ouais, ouais. Donc, je peux les maintenir à 50 mètres pour qu'ils puissent filmer. Ouais. On va monter, il n'y a pas de soucis, il peut y avoir juste là.
Il y en a encore deux légèrement devant, mais le peloton est juste derrière. Tout le monde est revenu dans la descente. Ah, ça, c'est un peu logique. Bon, météo prévu, couvert tout l'après-midi. De la pluie dans la nuit et encore un petit peu de nuages demain, mais plus éclaircies demain. Aujourd'hui couvert, on peut dire un temps idéal pour les cyclistes. Sur le vélo avec le vent de la vitesse, ça n'a rien à voir avec les derniers jours. On a le temps de profiter du paysage. Ouais, 23 degrés. Ah, pour toutes les plantes, elles ont tout le temps de la chaleur, ça va leur faire du bien. On est arrivé quand même fin août, hein, bon. Moto info. Il n'y a plus d'infos à la moto. On a plus de haut-parleurs. Ah, il n'y a plus rien. Pas d'infos moto. C'est quoi dit les... Il n'y a pas les ardoises, tu sais, avec les temps. Non, il n'y a pas les chars, il n'y a rien. Ah, il n'y avait pas, l'année dernière, il y avait. Non, mais c'est bien, il ne faut pas acheter de chars. Ah, ouais. Il n'y a aucun écart. Il y a eu quelques petites tentatives de sortie, mais aucun écart significatif. Donc pour l'instant, le peloton roule coupé. Un coureur, le 63, qui essaye de relancer. Thank you.
c'est plus de 63 là. 72 et 96. Ça essaye de sortir, pour l'instant pas d'écart. Et 96. Trois coureurs un peu échappés. Ah, c'est des drôles de tête. Allez, trois coureurs en tête. En haut, premier grimpeur. Ah, c'est pour ça. Alors là, il y en a trois qui veulent marquer des points, sans doute du meilleur grimpeur. Alors. Des affiches pour le meilleur concours. Est-ce qu'ils ont matérialisé quelque chose ? Apparemment. Oh,
qu'il a failli aller tout droit. Ça surprend les virages à 90. Il y a un coureur qui a failli se faire avoir. Il a suivi les autres au dernier moment. Prends toujours en tête, sans doute pour aller chercher les points du maillot à poids. That's it.
normalement, on peut aller dans le champ. Thank you.
vraiment les couleurs de l'ESMS. Ça aurait été plutôt vert et blanc. Ah ben, ils ont choisi en sommet de côte. Oh. Ils sont mis en sommet de côte. Oh, y a des habitués. Allez, on est en route pour Saint-Sever. Ah, Saint-Sever, on va déboucher au rond-point de la Devoie. On va aller sur le centre de Saint-Sever, on contourne la rue des Trois Hommes. Et on partira vers Montreuil et Monteau. Vers Pontons. Yeah.
Traverse au Breil, toujours un seul peloton.
84. J'ai sorti. Alors qu'on arrive au pied de la côte de Monteau. D'avance pour ce coureur au dernier pointage, donc qui a dû foncer dans la descente d'Aubray, hein. Meilleur grimpeur, voilà, il a pris les points du meilleur grimpeur. Non, même. Ok. Ah, c'était écrit là. Ah, sommet, ouais, pour moi le sommet c'est à Monteau parce que c'est là le plus haut. Là ça grimpe encore. Ah, j'ai habité Monteau, je l'ai fait cette côte. Blanche-Édouard. Oh. Allez Édouard, allez. Tu le connais. Il est à quel club? J'ai la liste. Ah. 184, Édouard. Il me l'a crêpe brosse et c'est un breton. Blanche-Édouard. Blonce-Édouard de Brocéliande. Blonce, c'est Blonce. Blonce. Mais Blonce. Ah, c'est les Bretons. Hein. Marquer les points du meilleur grimpeur. Là, il est plus à fond. Hein. Là, il va laisser revenir les autres. C'était creuser un bel écart dans la descente. Comme ça, il a pu gérer sa montée. Spectateurs à Monteau, bonjour les montagnes. De revenir très fort derrière. Ah oui, il revient. Avec les coureurs qui reviennent derrière. Voilà, Monteau. Arrive à Monteau. De ravitaillement apparemment et les bidons ils ont exposé des œuvres d'art apparemment dans l'école. Ah, joli vu du temple de Monteau. Les méchants sont là. Et bah du coup comme ça je me suis décollé.
suis décollé du siège. On va passer derrière l'échappée. Ça, c'est fait. T'as une échappée. 1, 2, 3, 4, 5 coureurs. 5 coureurs qui se sont fait la main dans la côte. Ils n'ont pas dû s'arrêter chercher des bidons. Thank you.
30 secondes. Voilà. 30 secondes d'avance pour ce trio de tête. Chaud dans 1 km. Ah ouais. Ça se regarde un peu quand même. Ouais, le leader de Essex des relais bien marqués.
1,08 d'avance. Ouais, il faut ouvrir l'arbre de vue. Ça creuse un peu, ouais. Il faut creuser un peu d'écart. Oh, c'est plein de bosses. Ça n'arrête pas de monter et de descendre. Ça casse pas, hein. C'est la chalosse. Ceux qui pensaient que les Landes étaient plats, avec que des pins. Allez, on arrive. 2 km de Montfort. Agréable. Grimpeur. Ah, il est galé. Le leader des Sax. Ah oui, il a pris les points. À l'entrée de Montfort en Chalosse. Ça creuse, 1,08, 1,17, 1,38, mais ça commence à être intéressant. Encore loin de l'arrivée, mais bon. Prenne des points en attendant. Thank you.
trois hommes en tête depuis Muron. Qui creuse l'écart. Compris, c'est pas évident.
on a traversé le ponton. Les trois hommes en tête. L'écart il a dû même grandir depuis. Parce qu'on a les voitures intercalées. Donc l'écart est conséquent. Alors là, Pontos, après on va vers Rio. Après il y a Villeneuve, la Bastide, Tarsin. Là on va vers Rio. Rio Villeneuve. Ça y est, ils ont mis l'accélérateur derrière.
sont toujours intercalées, donc on est toujours au-delà de la minute. Ah, le peloton il a accéléré derrière. C'est-à-dire que si à Rion ils ont toujours 2 minutes d'avance, c'était plus compliqué quoi. Voilà, alors, 3 hommes qui font l'animation en tête depuis Montaud-Mugron, entre Montaud et Mugron. Après la côte de Montaud, ça a attaqué sur la vers Mugron.
m'impressionne hein, par rapport aux autres. Donc d'avance pour ces jambes 71, 35, 94 au tiercé. On va faire deux autres.
Gros ralentisseur. Dans les règles de l'art. Ah oui, gros, au pluriel. C'est un peu carré. Hein. Ça fonce. 2-14. Ils s'entendent bien les trois là pour l'instant. Ça prend des relais bref mais appuyés. Nous revoilà au-delà des 2 minutes.
là c'est un faux plan en plus. Thank you.
cas de Essex. Ça devrait être tout un art, le donné de bidon. Derrière, ils ne peuvent pas être 100% à fond de toute façon, donc ça fait l'accordéon autour de 2 minutes, plus ou moins 20 minutes, quoi. Enfin, plus ou moins 20 secondes. Je crois que c'est un petit nombre hein, pour une échappée, c'est pas impossible, hein, c'est compliqué à 3. Ça marche bien, dans un peu d'avance. Mais il reste une heure de course. Hein. Il reste une heure de course environ.
Villeneuve. Une 22. Ça a emporté tout. Hein. Et on a vu le frigo de la vie. C'est Super U qui a soif.
35 secondes. Eh ouais, les voitures vont dégager. Ils ont des turbos, ça sent l'arrivée coupée. Dépasser les 2 minutes 30. Le peloton il est resté à bonne distance. Thank you.
38, 38 secondes. Ils vont se faire reprendre avant le circuit. Avant Tartas et donc dans le circuit. Ah, difficile à prendre quand même. Ah, l'année dernière, on voyait des groupes de 8-10, c'était impeccable. Quoi. Ça marchait bien. Pour creuser les écarts.
71 lâchés, alors que le peloton était revenu sûrement à moins de 30 secondes. De l'arrivée. Ouais. C'est allé un peu d'allure. 25 km de l'arrivée à 50 km/h. Une première fois la ligne d'arrivée à Tartas avant de revenir à Carcin-Ponçon et cette fois franchir pour de bon une deuxième et dernière fois la ligne d'arrivée à Tartas dans les allées marines au bord de la Midouze.
gauche, à gauche, gauche.
commissaire. Commissaire de course. Alors, l'année dernière, on avait les filles de l'US Dax. Karine et... Donc voilà, cette année. Mais ça manque de femmes. Ce circuit. Dans cette course. Déjà, c'est une course de garçons. Tartas, on est au stade. On est au niveau du stade de rugby et de foot. Ah, bien. Il a été éjecté tout ça. Ouais, on fait le tour par la super usine. Alors ils font plus du papier, mais ils font d'autres chimies, mais ça sent différemment, mais ça sent encore. Hein. Dernier chimie. Dernier point chaud dans 1 km. Dernier point chaud 1 km. Ouais, mais bon, là, je pense qu'ils sont surtout concentrés sur l'étape. Ils ont dû pas mal de prendre de points, là, le trio, puis maintenant le binôme, il va terminer ça. Pour ramasser les maillots. 50 secondes d'écart, ça fait stable tout à l'heure. Là, on n'a pas de nouvel écart. C'est en train de s'en arriver. On va passer une première fois à la ligne d'arrivée à Tartas. Et retourner sur Quart Saint-Ponçon. 51, c'est stable, c'est super stable. Oh là là. À deux, ils arrivent à résister au retour du peloton. Alors qu'on va franchir une première fois la ligne d'arrivée à Tartas. Toujours le duo en tête. 94 et 35, il y a du monde. Arrivé au retour. Allez, on peut les applaudir. On peut les applaudir. Il y a du monde à Tartas, c'est bien. Acteurs de la course, toujours en tête.
ces trois grands animateurs sur cette étape. Sur cette étape 1. Dernier écart. Ah, et depuis qu'ils ont lâché le 71, ils ont repris seconde après seconde entre Carcin-Ponson et Tartas. Et là, on refait Carcin-Ponson-Tartas. Le maillot des sprinteurs est attribué au 94. Ah, ouais. C'est le maillot rose. C'est le maillot des points chauds. Il y a 6 maillots sur cette course. Maillot vert, c'est le classement à l'arrivée. Bon, il risque de ramasser aussi un maillot à poids. Hein. Très loin maintenant.
d'avance. On va pouvoir s'expliquer. Ah, ça serait une belle récompense pour tous ces efforts où ils sont restés à 3 devant, ils sont encore 2 devant. 2 sur 3. Allez, Carcin-Bronson. On y repasse. Allez, 40 secondes. Le petit matelas. Là, si ça fuse du peloton, c'est le scénario catastrophe pour les deux échappés. Hein, il y en a qui se mettent à sortir du peloton, qui se sont économisés 140 km. Là, le peloton s'est rapproché. Qui insiste un peu tout seul. Ah, il a fait une petite passe ici, si tu veux. Il semblait qu'il s'était fait l'idée. Ah, il a fait une petite passe ici parce qu'il a fait une petite passe ici. Il a fait thank you.
échappé à 3, puis à 2. Plus de la moitié de la course en tête pour le trio et le duo. Il est en V, ça fonce devant.
ça sent l'arrivée au sprint. Ça va être au sprint, c'est sûr. C'est nous qui sommes échappés là. Échappés du caméraman, merde. Qui sont là avec vas-y encore un peu plus loin donc tous ces films avec les médias 40 également. Alors là-bas au bout les motards sont en train de faire la circulation, on tourne à droite, on tourne à gauche, voilà donc vas-y, je te retrouve après. Allez, la pression est en train de monter et lorsqu'on est coureur cycliste, lorsqu'on se trouve à peu près à 2 km de l'arrivée, hein, on sait que ça va être un emballage final. Il ne faut pas bien sûr donc rater la roue de son poisson, la roue de son poisson pilote. Il faut donc jouer des coudes et je vous assure que là ça frotte. Les coudes sont en train de s'écarter de plus en plus. Ah voilà, c'est l'adversité maintenant. Et ils sont allongés là-bas, ils sont au bout de la ligne droite. Le sprint est en train de se lancer. Mais pour l'instant, on est à 200 mètres de la ligne. Et pour l'instant, donc, on ne peut pas sortir un vainqueur avec un garçon qui est en train de prendre l'ascendant maintenant. Et jusqu'au bout, mesdames, messieurs. Voilà donc voilà, un magnifique sprint, celui-ci qui fut remporté par un coureur espagnol, Zurita Ricardo, qui fait partie de la formation Aluminios Cortizo, qui vient de s'imposer. Voilà donc, et nos applaudissements ont été donc parfaits. Nous avons encore quelques coureurs, et notamment celui qui est en train d'arriver, il a un problème mécanique, mesdames et messieurs, regardez, il pousse sa machine avec un pied quasiment de la trottinette. Je pense que ce garçon qui est déçu donc, de ses derniers hectomètres mérite également vos applaudissements, amis publics. Ah voilà, ah, ça ne va pas le faire. Voilà ce garçon qui est qui a sa chaîne est passée à côté. Donc, il s'agit du coureur espagnol Ruiz Balaguerra Barredo. Donc, voilà, alors que là, ça fait un petit peu plus mal. En tous les cas, vous avez été merveilleux public. Voilà, on peut l'applaudir également, ce garçon qui passe maintenant à Ranzolo Olano. Voilà. Voilà, le monsieur, il ne fait pas partie de la course. Attention, monsieur, vous avez encore quelques coureurs. Allez, on peut applaudir les deux qui passent maintenant. Voilà, s'ils sont un peu plus loin, regardez sa grimace parce que. Voilà, il y a ce garçon qui est tombé, hein, on peut voir des stigmates, Kevin Harry. Voilà, regardez sur sa jambe gauche. Allez, sur sa jambe gauche. Donc voilà, donc on a vu son genou en sang. Voilà, dans tous les cas, on a donc, maintenant donc eu une belle arrivée ici à Tartas. Alors, je vais me rapprocher de la personne qui est juste devant moi, c'est le premier magistrat de la commune. Passez madame, je vous en prie. Je vous excusez. Monsieur le maire, ouais. Voilà. Vous étiez aux premières loges. Hein. Énormément de temps. Donc, allez, votre sentiment chaud. C'est pour ça que je savais que je suis ravi d'avoir accueilli cette étape. Bon, impeccable. Je te laisse toutes les affaires. C'est royal. Ça a été comme passager. Ouais, ouais. T'as pu faire les images que tu voulais. C'est très impressionnant et surtout la vitesse à laquelle. De toute façon, on se voit demain matin pour recaler ça. Ils sont arrivés. C'est vrai qu'on va pas traîner. On le voit, mais quand on est en direct, c'est notre impression et qui est assez impressionnante. Effectivement, comme on dit à la télé, on le voit et là aujourd'hui on le vit voilà. Et donc voilà on ressent donc bien sûr donc tout donc ce qu'on peut voir alors que le classement
tu gardes le casque, on se voit demain matin. Voilà, aux Allées Marines, on remettra donc tous les maillots. Ça se passe aux Allées Marines également. Il y a un repas donc, auquel vous pouvez participer. Donc, très heureux avec un menu fort sympathique. Et il y a une animation aux Allées Marines. Aux Allées Marines, nous remettrons les différents maillots, le maillot jaune, le maillot vert, le maillot blanc. Enfin, tous les maillots, alors qu'on peut applaudir ces deux garçons, pour le Saint-Étienne également. Donc, tout cela se passera dans une grosse poignée de minutes, on va dire une grosse vingtaine de minutes. Alors, le vainqueur, c'est Zurita Ricardo donc, qui vient de remporter l'épreuve. Pour les taux, Damien prend la deuxième place. Yannick Martinez, tiens, voilà, c'est un garçon sur qui j'aurais mis une pièce, prend la troisième place, ça fait 7 victoires à son actif. Sébastien Avou prend la quatrième place. Garcia Francisco, cinquième. Sixième, Pusquelet Quentin. Septième, Barralon Dimitri. C'est la thème, la thème crêpe dans ce viande. Donc le neuvième, Exaguirre Mujica. Dixième, Vascovic Cajetan. Donc, Evan Aiken prend la onzième place. Il y a un raccourci pour y aller. Il faut descendre par là-bas après. En tournant à la droite. Là. À la droite gauche. Alors, cette impression sur ces 148 km ? Oh, ça a été. Vous êtes resté dans le peloton ? Oui, peloton. Et peloton, il a réussi à gérer finalement ? Ça a géré. Les trois échappés, puis le binôme qui se sont épuisés devant vous. Les trois, ouais, ça a été contrôlé par le peloton. Mais... Complètement contrôlé. Ouais. Voilà. Tu viens en bas là, c'est fini après. On marche. Ça va, ça va. Et péter le frein, c'est perdu. Bonjour. Ah oui, il est voilà donc, nous allons d'ores et déjà commencer par appeler donc, celui qui a remporté l'étape. Mais avant cela, je demanderai au premier magistrat de la commune, monsieur Jean-François Brocaire, maire de Tasse. Voilà, je est équipé, monsieur le maire. Voilà, monsieur le maire est équipé, mais voilà, tout cela pour donner à celui donc, qui vient de remporter l'étape. Mesdames, messieurs, une ovation pour ce garçon qui va venir nous rejoindre. C'est un coureur espagnol, Zurita Ricardo. Pour un espagnol de la formation Aluminios Cortino, voilà, qui ressort les mains de monsieur le maire, donc le trophée et le livre de Luis Ocaña, donc édité bien sûr par notre ami et c'est Bertrand Luc qui a écrit donc ce magnifique ouvrage. Aujourd'hui, l'étape était particulièrement dure. Oui, durant début d'étape, le reste était plutôt plat, il y avait un petit peu de vent, mais une grande route qui n'était pas favorable à une échappée. Seulement à 3, on a beaucoup bataillé quand même pour garder un écart suffisant. Et pourtant, tu avais des rouleurs. Tu avais Louis Pujourlet qui est un solide rouleur. Avec toi, il y a le coureur espagnol. Ça passait bien ou ça ratonnait un peu? Ah non, il fallait qu'on collabore. Là, on n'avait pas le choix du tout. Et Louis est très en forme, oui. Il est passé de beaux relais. Et derrière, avec l'espagnol, on était un petit peu moins fort. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu pour résister. En tous les cas, vous avez très très bien résisté, tu portes magnifiquement bien ce maillot de la région de Nouvelle-Aquitaine, mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse très très fort. Eh oui, c'est Cédric Bessagui. Voilà, vous l'avez compris, merci à toi. Alors, cette échappée, à un moment donné, j'y ai cru, parce que vous aviez 2 minutes d'avance. Et avec toi, bon, il y avait un coureur espagnol que je ne connaissais pas, mais bon, je savais tes talents de rouleur, mais voilà, le peloton a décidé autrement. Ouais, non, on a bien roulé, on s'est bien entendu. Moi, j'ai surtout cru quand on avait 1 minute à un tour de l'arrivée.
J'ai su après que malheureusement c'était en partie dû aux chutes et voilà, on aurait quand même préféré éviter, surtout qu'on a pas mal de coureurs qui sont tombés dans l'équipe. Mais non, c'était bien, il nous a manqué peut-être un peu de main d'œuvre et puis peut-être des routes un peu plus propices. Parce que là c'était beaucoup de grandes lignes droites et j'aime bien, mais c'est pas forcément l'idéal pour une petite échappée comme ça. Oui, effectivement, partir à 3 et vous êtes parti loin de l'arrivée, il y avait encore de nombreux kilomètres. Hein. Ouais, on a dû partir à peine avant la première bonif, donc il n'y a même pas une heure de jeu. Donc ouais, c'était assez long, j'espérais que ça rentre un petit groupe ou même une quinzaine ou une vingtaine de coureurs et que ça fasse un peu le break. Mais ça s'est pas présenté comme ça, et après une fois qu'on était devant, bah, on s'est mis au boulot. Ouais, effectivement, alors, je viens de signaler quelques lignes à ton palmarès, donc bien sûr on sait que tu es un pistard. Donc aujourd'hui, tu as mis tout ton talent de poursuiteur. Alors, il y a un monsieur qui nous écoute, c'est le président du comité départemental donc des Landes. Alors, cette première étape, très dure, pas assez dure ou moyennement dure? Non, très bien. Je pense qu'avec, si j'ai bien compris le profil de demain, ça fera un week-end équilibré. Et c'est bien, au final, on se fait reprendre à 5-6 bandes de l'arrivée. Donc, c'était quand même assez tendu et un beau sprint au final. Donc, je pense que non, c'est un week-end équilibré. Eh bien, très bien, mesdames, messieurs, je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort, monsieur Louis Pijoulet. Zurita Ricardo, rappelez-vous donc de ce prénom et de ce nom, alors que tous les champions sont là. Guy, on les fait avancer un petit peu. Voilà, avancer un petit peu pour la photo. C'est notre ami Guy Dago, Cité Sud Gironde, qui fait les photos, notre partenaire Béga. Madame, messieurs les élus également, peut-être de part et d'autre. Monsieur Vincent Dodieu, président du comité régional. Attention, pas shooter la bouteille. Voilà. Va et papa. Voilà. Et mesdames, messieurs, nous avons nos élus préférés. Nous avons nos champions ce soir ici à Tartas. Et vos applaudissements.